À Damas, les rues du quartier de Saïda Zaineb sont habituellement noires de monde, mais les combats entre l'armée régulière et les insurgés ont poussé de nombreux habitants à prendre la fuite et les commerçants à fermer boutique. L'inquiétude se lit sur les visages. Cette femme explique qu'il y a une pénurie alimentaire. « J'ai 10 enfants, dit-elle. On reçoit encore de la nourriture, mais pas autant qu'avant. » On a peur, on pleure tout le temps, dit cette jeune fille. J'espère que mon père va revenir sain et sauf à la maison. Selon notre correspondant, certaines parties du quartier seraient toujours sous le contrôle de l'armée syrienne libre. Des checkpoints que nous n'avons pas pu filmer sont installés tous les 500 mètres. Il y a eu d'intenses combats ces deux derniers jours dans le quartier de Saïda Zaineb, qui est un haut lieu de pèlerinage chiite. C'est ici que 48 Iraniens ont été enlevés il y a près d'une semaine par les insurgés.